echoes of your soul. To the edge of far beyond. But no matter where you go, just be sure to make it on the last train to paradise. Boom. Oh, ici Eldray, on se retrouve aujourd'hui en compagnie d'Odar et de Sti, qui sont de ma guilde, pour faire un petit scénario qui s'appelle Unga Ingu. C'est assez rigolo, il y a des pirates aux zones avec des ananas, comme vous l'avez vu sur la page d'intro. Tout ça m'a l'air très sympa, on va y aller, on va dire bonjour à Odar et à Sti. Salut les gars. Salut. Ah, Sti qui gueule parce que c'est un troll. Vous le connaissez de toute façon. On se lance directement dans le truc. J'ai même pas eu le temps de faire un slash reload. Je vais quand même prendre le temps. Ce sera toujours mieux en termes d'IPS. Et on peut continuer. Laissez-moi le temps de remettre mes poisons, les gars. Arrêtez de rush. Voilà, donc le but c'est de débarrasser l'île des pirates aux zones qui l'ont envahi en fait. Oh, il reset. Ouais, il est con, hein. Fallait pas la caquer maintenant. Attendre le boss. Sti, dis-moi, c'est quoi la manière la plus rapide d'obtenir des. De la bière sur ce scénario? Parce que du coup. Faut aller voir tous les boss. Ouais, c'est les boss, hein, c'est bien ce que je pensais, ouais. Je reste là, vous allez chercher. Ok, on va aller chercher la bière avec Sti. Oui, parce qu'évidemment, en scénario Mist of Pandaria, il y a de la bière dedans, hein. c'est évident. Il fallait de la bière. Qu'est-ce qu'il a fait? What? Ah, il y a une tyrolienne! Bordel, je le savais pas. Vous voyez, heureusement, chers viewers, qu'on fait ça avec Steve, parce que lui, il connaît tout sur tout, alors... Je savais même pas qu'il y avait une foutue tyrolienne, là, hein. C'est excellent. Et hop, voilà. Y'a un boss ici? C'est pour ramasser la bière. Faut aller sur les petites flaques noires. C'est ça, hein? Allez, on y va tranquillement. Ah, je vais peut-être activer la musique, tiens, parce que j'ai complètement oublié de faire ça. Ce serait quand même plus sympa. Je te suis, Sti, t'es un peu rapide pour moi, mais bon. Oh, il y a un gros tonneau là. 5 stacks dedans. Ah, on est 17. Hop. Donc, vous voyez, le principe du scénario consiste à permettre à. Comment il s'appelle le brasseur? Maître Brasseur Beau, d'avoir tout son chaudron plein de bière en fait.
Ce qui est assez ridicule parce que c'est des Ozone et qu'en général les Ozone ça boit pas de bière, mais enfin bon. Je m'occupe de ramasser le gros tonneau. Voilà, 25 stacks. Et là-bas, normalement, on devrait avoir ce qui nous manque. Je suis à 30 stacks, Steve. Pourquoi tu reviens ? Ouais. Je pense qu'on en a assez de toute manière. Merde. Qu'est-ce qu'il y a, Odar ? Rien, un babouin qui est passé. Ah, fait chier. Bon, je l'ai chopé. Ah, c'est pas très grave, il a piqué. On peut les récupérer ce qu'ils volent ou ? Ouais, ouais. Voilà. Nickel. Oui, parce qu'évidemment les pirates essaient de défendre leur bière et du coup ils viennent la récupérer en vous lançant des bananes dessus. ⁇ 185, on n'a pas full. Est-ce qu'on va... Ouais, on va te laisser y aller, Sty. Nous, on va attendre sous le chaudron. La musique est quand même bien sympa. Pas très en rapport avec le thème, mais bon. Voilà un autre bateau de pirates. Voulez-vous battre, alors venez au cac. Voilà, on se met dans la smoke bombe et on attend. Tiens, une bombe. Si leur faisait péter une à la gueule. Derrière, il y en a un qui arrive avec sa fougère sur le dos. Ah, ça marche bien. Merde, je l'ai pas vu. Désolé. Voilà. Le capitaine Hook, c'est donc la phase finale de ce scénario. Et après tous les petits singes qui nous sont tombés dessus, il va y avoir leur chef. Ouais, tu vois, Steve, t'aurais dû garder de la BL pour maintenant. T'as le DPS en scénario, toi, Steve, parce que moi, mon Recon fait des siennes, il marche pas. Ouais, je l'ai. Ok. Je suis premier ? Non, c'est troisième. Nah. Quel enculé. Premier, Odar deuxième, toi troisième. Ouais, sur les combats courts. C'est pas tip top. Bon, je vous propose que... Mais c'est fini là, c'est terminé, on a eu la récompense. Ah oui, y a pas de récompense puisqu'on l'a sélectionné. Ah bah si, on a fait de l'XP de guild, tiens. Je vous propose d'en refaire un, parce que ça a duré quand même que 5 minutes. Ça on risque de tomber sur un que j'ai déjà fait. Mais au pire, si on tombe sur un que j'ai déjà fait, je couperai ça au montage, vous en faites pas, c'est pas grave. Ouais. On va en faire un en aléatoire. Allez hop. T'es bon, bah bon, Asti, ça te va très bien. Je sais, et je me gratte le cul. Bon bah c'est très bien, c'est un scénario que nous n'avons pas fait chers amis, ça s'appelle Pierre Verte. Et enfin bref, vous allez voir, c'est tout autant le bordel dans ce petit village. Et comme d'habitude, il faut défendre de la bière. C'est vrai quoi, tous les scénarios de mobs se résument à défendre de la bière quoi. Surtout
peut-être sponsorisé par, je sais pas, 1664 ou Cronenbourg. Ouais. Écoute, tant mieux, de toute façon, on aime la bière. C'est une bière chinoise ou japonaise. Ah, c'est vrai, je sais pas où ils sont allés pêcher cette info que la bière venait de Chine, mais... Peut-être que eux-mêmes sont bourrés. Ouais, ouais, développeurs devaient être bourrés. Oh, de toute façon, à la base, quand ils ont créé Chaîne Brune d'Orage dans War 3, je pense qu'ils étaient bien bourrés. Oh, ça, c'est le lendemain de fête. Hein. D'ailleurs, c'était à la base une référence à un mec qui existe vraiment, le Brune d'Orage. Et enfin, ils en avaient parlé dans un de leurs spotlights. Je vous invite à aller visiter le site officiel de Blizzard. Vous trouverez sans doute la vidéo qui en parle. Sur l'origine des pandas, en fait. C'est à cause d'un mec qui travaillait chez eux. Ils appelaient le panda. Donc pour l'instant, on est en train de sauver la population du village, hein, qui se cache dans les habitations. Et maintenant, on va aller sauver le dojo. Ah, il tombe trop vite pour que je puisse DPS quoi que ce soit. Hop. Voilà. Donc maintenant, on va se mettre à rouler sur les barils de bière pour les ramener au dojo. Et un baril. Esti, tu m'as cardjacké mon baril là. On va pas s'entendre. Vous êtes déjà occupé. Allez, qu'est-ce que... Hop. On va se débarrasser des mobs pour pas qu'ils vous attaquent. Parce que le baril, s'il est touché, est perdu. C'est quand même con. Oh, j'ai un petit coup de lag. Ah bah j'avais un baril juste sous mes yeux, je l'ai pas vu. Je ramène le cinquième. Et voilà. Maintenant, faut sauver les maçons. Vous avez tous le HF, je suppose. Ouais, sûrement. Ok, donc on va pouvoir utiliser le petit bouton qui est apparu en plein milieu de notre écran. Qui assure un gros DPS d'AOE pendant... je sais combien... À moins de 10 mètres. C'est 100 000 points de dégâts à toutes les cibles.
Steam a parlé tout à l'heure de scénario héroïque à la 5.3, donc ce sera un plaisir de les faire en vidéo hein, quand ce sera là. Il y aura une difficulté donc plus élevée évidemment que pour ces scénarios-là. Et c'est ça qui, je pense, sera intéressant. Et maintenant on est en phase finale, il faut tuer l'élémentaire. C'est pas un élément bière, non, c'est un élémentaire. Qui a donc attaqué la ville et foutu le bordel de partout. Voilà, GG, merci les gars. Bon bah du coup c'est bien, on a pris nos 55 points de vaillance. Pour les viewers, n'hésitez pas à like, commenter si vous avez aimé la vidéo. Merci à Odar et Asti qui nous ont suivis, hein, c'est très très sympa de votre part. Et puis à la prochaine, allez ciao, c'était Eldre, Odar, Asti pour Anywhen Eldre Gaming, bye bye.